Bonjour les amis, vous allez m'excuser parce que je ne vais pas vous regarder. Je suis obligé de lire mon texte sur mon ordinateur. Ok, c'est une annonce qui va vous montrer comment vous pouvez avoir des abonnés beaucoup mieux que ce que vous avez déjà tenté jusqu'à présent. Ok, alors comment avoir des abonnés? Comment avoir des abonnés facilement? Comment avoir des abonnés utiles? Et comment avoir des abonnés sûrs? C'est ce que vous cherchez, donc vous allez avoir une réponse qui est vraiment pas mal. Moi, j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs, je l'ai essayé, c'est très très bien. Perdre des abonnés un peu partout, c'est ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Tout le monde pleure, tout le monde est en train de rouspéter. J'ai reçu énormément de messages de gens qui ne sont pas du tout contents, qui sont complètement blasés parce que c'est vraiment lamentable ce qui leur arrive. Alors, c'est ce que vous avez déjà rencontré forcément dans l'astuce Abonne-toi à ma chaîne et je rends. C'est un truc qui ne marche pas forcément. La méthode que je vais vous présenter est beaucoup plus efficace. Dans cette méthode, il faut donner une promesse puissante aux gens. Il faut donner une promesse puissante aux gens. Parce que vous n'allez pas frapper à leur porte comme ça parce que vous voulez de votre propre chef. Non, non, il faut leur apporter quelque chose de très, très puissant. Alors, autrement dit, il faut que vous offriez une valeur dont les gens ont besoin dans votre secteur d'activité. Bien entendu, chacun a quelque chose à montrer sur YouTube. Alors, vous êtes les meilleurs placés pour savoir ce que vous allez leur dire. Et il faut leur dire avec des formules vraiment très très attractives, très très accrocheuses. Ok? Alors, le meilleur moyen d'obtenir les abonnés fiables qui cherchent leur intérêt auprès de vous. C'est ça la force de l'offre. Parce que si vous offrez quelque chose à des gens, que vous apportez énormément de valeur, que vous faisiez par exemple des cadeaux à ces gens, ben, les gens ils ne demandent que ça. Alors, si par exemple dans la cuisine vous êtes mieux placé pour attraper vraiment l'attention des gens qui s'intéressent à comment cuisiner, mais tant mieux pour vous. Alors, au lieu d'aller chercher chez les gamers ou chez d'autres secteurs d'activité, vous voyez. Donc, vous avez un objectif, vous avez une niche, donc votre cible, elle doit coller à votre niche, n'est-ce pas? Donc, c'est le meilleur, donc je répète, c'est le meilleur moyen d'obtenir des abonnés fiables qui vont rester accrochés à vous, qui cherchent bien entendu leur intérêt auprès de vous. Retournez donc dans les chaînes où vous avez déjà posté vos premières demandes pour récolter des abonnés, là où il y avait l'histoire de Abonne-toi à ma chaîne et je rends. Ok? Et puis vous allez laisser le message suivant que je vais vous lire après. Le truc que je vais vous laisser là, c'est un truc qui est l'exemple que j'envoie moi personnellement. Ok? Alors, adaptez-le à votre profil d'activité et remplacez le lien ce que vous voyez en bas, parce que c'est mon lien, sinon tout ce que votre demande va arriver chez moi. Donc vous allez adapter votre message à votre secteur d'activité, et puis vous allez changer le lien, vous allez mettre le lien de votre chaîne à vous. Vous allez trouver le texte dans la description. Alors voilà ce que je dis dans mon cas. J'aide les youtubeurs à augmenter le nombre de leurs abonnés. J'ai créé une communauté rien que pour ça. Et je publie des quantités de tutos sur comment gagner de l'argent. Demandez la liste. Et puis, vous avez le lien que vous devez changer. Il faut adapter donc le texte à votre propre profil. Et puis, vous allez vous lancer. Et puis, je continue. Après, vous avez bien entendu laissé ce message. Et certains vont être accrochés par votre message. Alors, lorsque vous recevrez la demande, vous allez répondre ceci. Merci de m'avoir fait confiance. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres contenus qui vont vous aider dans votre marche vers le succès. De mon côté,
Je m'abonne à votre chaîne pour recevoir toutes vos publications. Cela me permettra de vous assister dans le cas où. Voici la liste et vous avez automatiquement un lien qui va, en cliquant dessus, votre correspondant va automatiquement télécharger la liste des abonnés que nous avons, nous, à l'intérieur de notre communauté. Ok? Donc, c'est comme ça. Et puis, il faut aller partout. C'est-à-dire, si vous êtes dans une chaîne, vous allez, bien entendu, cliquer sur tous les gens qui sont là-dedans. Et vous allez, si vous voulez, vous allez recommencer la tentative avec « Abonne-toi, je m'abonne à ta chaîne et rends ». Voilà. Je pense que cette astuce, ça va changer quand même. Vous allez avec ça, vous allez changer votre fusil d'épaule. Et c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus pertinent, c'est beaucoup plus crédible parce que vous n'allez pas vous abonner comme ça à la légère comme vous avez fait jusqu'à présent. Nous tous, on a fait ça. Mais ça, c'est beaucoup plus ciblé. Donc, vous allez tomber seulement sur des gens qui sont dans votre secteur d'activité et vous avez beaucoup de choses à leur raconter. Donc, je vous laisse à vous la décision de faire de votre chaîne ce que vous voulez. Moi, je vais me mettre dans le business de mon côté, dans tout ce qui est comment gagner de l'argent. Bien sûr, je suis toujours avec vous pour cette histoire d'abonnement et tout ça. Et je vais développer ma communauté avec vous. Et ça va être beaucoup plus intéressant. Mais déjà, avec cette méthode, je pense que vous allez pouvoir gagner des abonnés qui ne vont pas se débiner après. Ok? Merci et au revoir. Et surtout, 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 quand vous faites, par exemple, des vidéos comme je suis en train de le faire, il faut toujours rappeler, toujours, 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 rappeler, abonnez-vous, likez et abonnez-vous. Parce que les gens, quand vous leur dites ça comme ça, ils sont au moins une partie entre eux, sont par gentillesse ou obligés, mais ils vont s'abonner. Ok? Donc alors, merci, à la prochaine.